Eh bien, chers amis de YouTube, bonjour. Eh bien, comme vous voyez, il y a une mise à jour obligatoire de Fly Simulator qui fait juste 10 gigas. Et comme j'ai pas la fibre, il va falloir une éternité pour faire cette mise à jour. Déjà que les cartes, c'est long à charger avant de jouer. Alors là, 10 gigas de mise à jour. Je ferai la vidéo ce week-end. Donc, en attendant, je vous propose de faire un autre jeu vidéo. Avec le volant, ça changera un petit peu du jeu d'avion. Allez, c'est parti pour le jeu de volant. Ok, on peut la refaire celle-là. Ok. On va commencer 4, carrés. C'est ça. Allez, zou. Ça va aller mieux sur ce tour-là, parce que du coup, je te donne mieux le circuit. Voilà. On la rentre dedans, ça fait une demi-durée, mais ça va. 9, 7. Un ennemi, il nous rentre dedans après. C'est passé, 4. T'inquiète pas, Ado, ça va faire un écran.
on a dépassé les bords là. Bon tour, hein. Lors du dernier tour, ton chrono était de 1.32.1. Pour rien, c'est vert. Bon,
Eh bien, il faut savoir que au moment où j'ai tourné cette vidéo, il n'y avait que 10 gigas de mise à jour. Sauf qu'après la mise à jour, le jeu se lançait, mais je n'avais plus du tout accès à la carte du monde. Ça plantait, crash au bureau direct. Les joies de jouer sur un PC. Heureusement, j'ai une console à côté quand même pour m'amuser. En attendant, le Flight Simulator il est sur le PC, donc du coup, bah, c'était tout planté. Donc j'ai remis à télécharger 100 gigas. Le lendemain, allez savoir pourquoi, j'étais à 70 gigas sur 100, il restait 50 gigas. Mystère, et 30 gigas qui ont disparu dans la nuit. Et donc là, on voit sur le petit compteur là, par là en bas à droite, enfin par là dans le coin, qu'il reste 30 gigas normalement. Donc peut-être que cette nuit, ce soir, je pourrais peut-être faire une petite partie de Flight Simulator. Ça fait bientôt presque une semaine que le jeu il est planté. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Padré.